Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Captain of Industry. On va reprendre, on s'était arrêté la dernière fois et donc on était en train de faire joujou avec notre fertiliseur. On en arrivait à créer voilà, du fertiliseur ici. Et par contre, je me suis rendu compte d'un petit souci par rapport au programme original. C'est que le fertiliseur évolué qu'on voulait faire, celui-là, là, qui prend du calcaire et du soufre, en fait, il se base pas sur le fertiliseur qu'on est en train de faire là. Nous, là, on a fait du fertiliseur organique. Or, lui, il demande du fertiliseur 1. Et lui, le fertiliseur 1, il se fait chimiquement. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va avoir. On va pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Du coup, j'ai envie de dire, on va s'arrêter là pour l'instant pour la prod de fertiliseur. Normalement, il y a largement de quoi faire tout tourner. On va juste se mettre un stockage et on va essayer de se faire un tuyau qui court un peu par là. Qui fait le tour et qui est capable d'arriver aux différentes fermes si besoin. Je sais pas si on va s'en sortir, mais on va essayer. Du coup, dans un premier temps, on voudrait bah, d'abord un tuyau fait un peu comme ceci. C'est que justement, il faut pas qu'il reste connecté, mais hop, on peut essayer de le faire passer tout du long ici. Là, on peut s'amuser à le faire monter aussi, c'est pas un souci. Hop, moins. Et là, par contre, on va devoir le faire redescendre, ou alors on le passe là, tout simplement. Passer de la place. Oui. On va essayer de faire ça comme ça. Bon, j'ai pas mis de stockage. En fait, la fin là, ça va pas être terrible. Bon, c'est le morceau qui est plus construit. Sinon, c'est pas drôle. Ah ouais, en fait, on va pas faire du tout comme ça. Hein. Ça va être un peu trop relou à gérer. Hop, cette partie là, non. On va d'abord mettre. Le stockage de liquide, voilà. Sûr d'où on va. Toi, tu fais juste ça comme ça. Et donc, toi là, il faut juste que tu arrives à passer au-dessus. Même là, ça va être un peu de juste pour réussir à redescendre, non? A priori, ça marche. On va faire ça comme ça. À produire gentiment du fertiliseur. Pendant ce temps-là, on peut relancer une recherche. Alors, on était où? Pas mal de choses. On a des améliorations des dépôts de carburant, on a des améliorations des pour découper les arbres, faire de la fermentation. Utiliser de l'éthanol pour faire brûler des choses après. Et pour faire du caoutchouc aussi. Très bien. On peut faire du poulet. On peut faire une autre version de turbine à vapeur. On peut faire de la dessalination aussi. Ça, je crois qu'on avait vu que la brine, là, on en aura besoin pour quelque chose, mais je ne sais plus quoi. On avait vu la brine. Ça va faire de la chlorine. Très bien. La chlorine nous permet de récupérer de traiter les eaux usées. On va peut-être partir là-dessus. Hop, on va commencer la désalinisation. Ah, évidemment, on a des problèmes de maintenance. Très bien. Déjà, on va finir de brancher tout ça parce que sinon. Merci. Hop. Un peu moche, mais ça passe.
Ah. Nul. Au moins que ça aille jusque là. Allô. Pas trop comment ça se passe, mais apparemment ça marche, donc tant mieux. Hein. Comme ça pour l'instant, ça permettra aux fermes de se gérer. Je sais pas c'est quoi cette histoire d'équilibre là. On va mettre un 50% partout. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas si on a encore besoin de faire des jachères du coup quand on fait de la... Vu qu'on a du fertiliseur maintenant. Ok. Super. Ok, donc on a un peu de travailleurs, donc c'est plutôt cool. Ça donc maintenant on est bon, on va vouloir l'upgrade je pense du coup. Parce que moi là j'ai quoi? J'ai mon stock de niveau 1, mais bon. En ce temps-là, là, c'est bon, on ne fait pas plus de d'échecs que ça. Est-ce que ici, ils sont toujours traités? Ils risquent pas mal, mais les Iron Scraps, comment on peut les réinjecter là-dedans après? Qui peut refaire du fer en fait tout simplement, et lui ça marche pas. Si on peut aussi remettre du fer à Simbo, c'est pas trop le but. On va se refaire une petite session là où on va faire uniquement avec les Iron Scraps comme ça. Ça sera plus pratique. Hop, du coup il va nous falloir deux Metal Caster comme d'hab. Ça aligne à peu près comme ceci. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Hop. Et du coup, ça c'est un blast, hein, c'est ça, ouais. Ça aligne comme ça. Et si on veut aligner avec le convoyeur à métal fondu, ça va se passer par là. Molten Channel. Voilà. Ici du coup, c'est justement je veux faire que des plaques de fer, merci. Et toi je veux que tu fondes du Iron Scrap. Et il lui faut aussi du charbon du coup. Ça, ça ne change pas. Ah mince, on a trop de monde. On peut regarder ça rapidement et surtout on va couper ça. J'ai quand même oublié que ça tournait. Et on a toujours le problème. Oui, bah, le problème de maintenant, j'imagine que c'est à cause du fer de toute façon. Du coup, donc on a dit U-shape. Ça c'est niveau 1. Et on va se faire un petit réservoir là pour. Iron Scrap. Hop, keep full. Ça, il n'y a plus qu'à. Du coup, ça ne produit pas de
slag, mais ça produit de l'exhaust comme tout le monde. Très bien, vous savez qu'on a les trucs d'exhaust, mais bon. Smokestack, voilà. Hop, en tout cas, les scraps, là, on en a beaucoup, donc ça serait bien que ça se termine pour que ça puisse tourner. Voilà, c'est parti. Ça nous permet de recycler pas mal de métal. Allez, on se dépêche. Voilà. Ça, c'est tout bon, il n'y a plus qu'à. Ça va commencer à faire du métal, pas du fer. Donc on a quand même bien rempli le truc d'un seul coup. Après, est-ce que ça veut dire qu'on a vidé ça? A priori, oui. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse la même chose avec le cuivre maintenant. Hop. Au moins, ça veut dire qu'on recycle. Ça, c'est déjà bien. J'imagine c'est à cause de ça qu'on a plus de fer. Et pourquoi les autres, elles tournent pas du coup? À cause du minerai? Ouais, le minerai est désespérément vide. Regardez-le, le truc pop-up au boulot. On va refaire un small excavator, voilà. Hop, on va ajouter déjà du camion, comme ça on sera bien. On va faire large même. Du coup, j'ai pas branché la sortie ici. Ça ne va pas du tout. Toc. Là, c'est du flat. Oui. Voilà. Comme ça, ça devrait aider à avoir un peu plus de fer dans le circuit qui va tourner. Ça devrait être moins pire, quoi. Hop, voilà. On commence à faire du convoyeur. On va pouvoir désactiver les exports. Enfin, tout, en fait. Bon, on peut déjà le faire. Allez, on se dépêche. Ah mais pourquoi j'ai mis une... C'est parce que j'ai mis niveau 2. C'est normal que ça n'avance pas. Là aussi c'est une niveau 2, oui, c'est bien ballot. Et moi je veux juste une comme ça en fait. On peut facilement mélanger les deux. Pourquoi ça mettait du temps à se construire hein. Et là on a un peu de fer qui tourne, c'est quand même pas mal, mais visiblement c'est pas assez. Et on se dépêche qu'on puisse évacuer tout ça. Faire vite, allez. C'est parti. Il avait été oublié. Il a fait un peu tout le monde, a priori on est pas mal. Voilà, donc là ça tourne quand même beaucoup mieux déjà. Hop, ça va nous permettre d'avoir un afflux un peu énervé en plaque de fer, ça devrait résoudre nos problèmes de maintenance. Si c'est pas le cas, bon, on va en faire encore plus, hein, c'est tout. Nos labs available, carrément. Ça se fait-il? Ah oui, mais c'est parce que c'est cassé.
Les ressources de pétrole commencent à être assez basses, a priori. Après, il faudra être capable d'amener celui qui vient d'ici, et puis c'est tout, hein. Ok, thermal desalination, c'est fait. Est-ce qu'on va vouloir aller tout chercher la chlorine pour aller... Non, je ne peux pas. Ah oui, parce qu'il faut la production de sel d'abord. Très bien. Eh bien, allons-y. Okay, donc là, c'est bon, le fer, ça commence à tourner un peu mieux. Oula. C'est normal que ça n'aille pas plus vite. C'est où la production de scrap, c'est ces trois là. Déjà on pourrait upgrader ces deux trucs là, comme ça on serait pas mal. Pour l'instant surtout un problème de fer visiblement. Toujours des soucis à ce niveau là. Camion parce que ça va pas mal aussi. À s'en sortir quand c'est comme ça, je peux les réparer à la main. Ok, donc c'est pas mal. Utilisant de la de l'unité, encore beaucoup. Oui, tant qu'on est au-dessus de 1, ça va. Mais il y a des trucs qui cassent plus vite que je ne peux les réparer. Hop. Un peu la loose, quand on n'a plus de maintenance comme ça, c'est compliqué. Mettons beaucoup plus urgent parce que sinon c'est tout pourri. Pareil des camions, comme ça fait ça de moins qu'on consomme. Ça injecte de la maintenance dans le système en fait, un peu artificiellement. Mais au moins. Ça aide. C'est trop vite, ça casse trop vite. Ok. Pas faire de stock de maintenance, visiblement, si un petit peu quand même, pourtant. Donc, elle va casser juste à côté du stock de maintenance, c'est quand même un peu dommage. Il faudrait plus de maintenance dépôt, visiblement. Il y a deux, mais pourtant ils sont les booster à l'arrière. Parce que là, on va dire on commence à faire du stock, mais en fait non.
Bon. Hop. C'est vraiment la production de maintenance qui va pas, et c'est vraiment le stock de fer qui bloque, hein. Là, il y a du fer, donc profitez-en. Bien, je pourrais toujours refaire un peu de prod par ici s'il y a besoin. Je peux upgrade encore un coup, mais ça, je sais pas si je vais en avoir. J'en ai très peu. Et on est bon ici. Maintenant, c'est le cuve qui est plein. Il faut de toute façon que je fasse la partie recyclage de cuve, sinon ça se passe pas bien. Eh bien, allons-y. On va refaire une version comme ça. Quoi faire? Et dans tous les cas, il faudra qu'on fasse plus de ça, j'ai l'impression. En fait, c'est surtout qu'on a stocké en plein. Pas si là-dessus on peut mettre des notions de priorité, ça serait assez pratique. Ou alors, il faut vraiment passer par des mélangeurs. Peut-être qu'on se mette un balanceur ici pour prioriser la consommation de trucs recyclés en fait. Hop. Là c'est du metal caster, tout ce qui est le plus simple. Metal caster j'ai dit. Hop, un peu comme ceci. Avec un blast. Hop. Qui irait comme ceci. Du molten channel par là. Toi, l'idée, c'est que tu marches avec du scrap seulement. Bien, on va juste faire en sorte du coup que ça on envoie truc là et on va s'en faire un autre petit pour le cuivre. Comme ça on devrait être pas trop mal pour les scraps de cuivre. À produire du fer en attendant. Là, c'est un peu la loose. C'est que si on veut passer là, il va falloir réussir à passer au-dessus de tout ce petit monde. Shape, forcément. Voilà. Il faut aussi une smoke stack, sinon, lui, ça va pas faire ce qu'on veut. Hop.
là, ça va aller plus vite. Voilà, ça devrait relancer un peu la filière recyclage. Et ça devrait mieux se passer pour nous. Donc là, il faudrait commencer à arrêter ça pour faire un balanceur pour prendre en priorité la version cyclée. Ça prend combien de place, un balanceur? Ok, là ça va être un peu complexe. Donc du coup, on va rapprocher un peu ça. Voilà. En sorte que là aussi ça s'arrête, comme ça on va vider tout ce petit monde. Hop. Peut-être arrêter un peu la recherche aussi, comme ça nous économisera peut-être un peu de trucs pendant ce temps-là, un peu de ressources. À mon avis, pas de mal non plus. Et du coup, tout ça là, on le virait aussi. Donc, on a dit flat balanceur qui irait donc. Ça, du coup, et le truc c'est juste que on veut aller là, hein, et là on veut faire ça comme ça, et là du coup on veut mettre la priorité sur celui-là. Le petit plan là comme ça pour voir vraiment ce qui se passe. On va avoir un petit aperçu assez clair de ce qui va et ce qui va pas. Du coup là on s'en sort comment côté maintenance? On n'a pas de trucs qui ont l'air cassés en cours de route, mais c'est quand même toujours pas incroyable non plus. Et les camions sont revenus à stable. Ici, on n'a toujours pas assez de fer. Là, maintenant, ça nous a débloqué ça, donc ça devrait retourner un petit peu. Le truc, c'est que ça, de toute façon, ça va pas tourner tant qu'on fait pas de recherche. L'un dans l'autre. Hop. Ça va fabriquer de la maintenance, tout ça, donc pour l'instant on va arrêter un peu la recherche. Ok, on commence à être remonté à 9%, avec un peu de chance ça va se calmer un petit peu. Donc, au milieu on a poncé l'herbe là, on a bien bien défoncé. Côté zone de mine, on en est où? Là on a encore de quoi faire, là on a de quoi faire, on a de quoi faire, on a de quoi faire, ok, on fait partout, c'est parfait. Non, c'est juste qu'ils sont pas connectés, mais ça on s'en fiche. Ça marche quand même très bien. On n'est pas prêt de recycler l'eau, moi je vous le dis. Bref, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Je vais essayer de tourner un petit peu pour voir si ça s'est vraiment amélioré, si la maintenance est revenue, ou on pourra après se permettre de lancer des nouvelles recherches. Et on pourra avancer sur recycler les eaux usées pour éviter de polluer la mer. Et ça serait pas mal. Mais bon, on explorera tout ça dans le prochain épisode. En attendant, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!